Toujours en ce lundi. Ben Laden n'a toujours pas de tête, c'est normal. Mais il n'est plus mon cendrier, il est passé à côté. Comme ça. Mais ça, c'est un message pour Marine Le Pen. Les melons fleurissent même à l'automne, bientôt. Tu vois, ça fleurit bien les melons. La tourterelle, elle est là. Le pigeon, il est là. On voit plus aura dessus du tout. Tu vas savoir, il y a des bons melons. Et je t'emmerde, Marine, ok? Disons, ton père est torturé bien en Algérie. Oh, et un bon. Gaston. Elle va venir. Il y a la merde de BHL TV. C'est dégueulasse. En finir avec les sacs plastiques, il est dit que je donne un produit pour exprès. Donc a priori, ils envoient l'eau. Je crois qu'il va bien. Ça a l'air d'aller. Mais en gros, le principe, c'est qu'on a remplacé. TV Mongol. Oui, en gros. C'est pour mieux t'enculer, mon enfant. Monsieur avait l'air d'apprécier, mais en tout cas, c'est pas dangereux pour la santé, ni de l'homme, ni de la faune, ni de la flore. Alors ça, c'est une autre entreprise indienne qui a mis ça au point, c'est on peut carrément brûler le sac plastique et ça fait des cendres qui ne sont pas du tout nocives, de la même manière. C'est con, t'es super intelligent, mais t'es une grosse tête de con, toi. Non, mais t'imagines le truc. Puisque c'est plus vraiment du plastique, mais en tout cas, on peut se débarrasser très facilement après. La question que je me posais, c'est qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Quand il pleut, ouais, j'avais la même question dès là avec normalement, les sacs ne fondent pas. Normalement, je veux une clé de douche déshydratable. Je commande. Je préfère le préciser. Un lance-roquette gonflable. Exactement, parce que le polystyrène, c'est pareil, c'est un dérivé de pétrole, et donc on a plein de grandes entreprises qui commencent à utiliser ce qu'on appelle le mushroom.